Retour à Marseille sur la plage de l'Escalborilly pour la 5e édition de la Soch Freestyle Cup. Et Bianca, ma princesse de toujours, nous a rejoint pour ce plateau. On va parler musique maintenant, car sur la Soch Freestyle Cup, oui, il y a tous les action sports, mais il y a aussi pas mal de musique. Et sur le plateau, tu nous as mené à un groupe que tu connais bien, les Keys Colors. C'est exactement ça. On a senti que l'ambiance est brûlante ici sur la Soch Freestyle Cup. Et pour en rajouter un petit peu, les frères Moussilmani ce soir nous programment un artiste qu'on connaît bien par ici. Il s'agit de David Walters. Alors on le connaissait un petit peu avec ses deux albums solo. Le moins qu'on puisse dire sur le garçon, c'est qu'on sait qu'il mêle bien les genres. Et là, il nous revient avec une nouvelle formation, les Keys Colors. Donc salut les garçons. Salut Bianca. Ça va, ils ont l'air cool, tout ça en place. David, tu peux nous présenter un petit peu tout le monde, nous parler un petit peu de votre genre musical, je préfère te laisser le faire. Très bien, alors Keys Colors, c'est un collectif qu'on a monté tous ensemble. Il y a plusieurs artistes dans différents styles, il y a de la musique, il y a de la photo, de la vidéo. Mais bon, en ce moment, on est vraiment focus sur le groupe, l'entité Keys Colors, la musique. Donc, on a Nicolas Arias au clavier, qui est d'une formation de jazz. Qui joue deux claviers, clavier basse et synthé, avec nous ce soir. On a Titu Mariani, beatmakers, donc traduction, c'est lui qui fait les batteries sur la MPC, batterie électronique, etc. Et on a une artiste vraiment talentueuse qu'on aimerait présenter ce soir, qui s'appelle Bianca Girard. Ah bon et, Non mais attendez. Il a vendu la mèche, on est mal. Ah non, c'est sa sœur Jim. Pour la fin. Voilà. Et donc voilà, Bianca, elle fait les chœurs, elle envoie les rythmiques aussi, mais il y a d'autres gens derrière ce collectif. Il y a aussi Emmanuel Kremer au violoncelle. On propose en fait, Keys Colors, c'est un collectif, on propose plusieurs couleurs. C'est pour ça qu'on parle des clés de la couleur. On propose plusieurs couleurs musicales. Donc ce soir, on va être plutôt électro-soul, hip-hop, mais on propose aussi des plateaux très acoustiques, guitare, guitare sèche, violoncelle. L'idée, c'est de s'adapter à chaque événement. C'est d'aller jouer pour des soirées privées, c'est d'aller jouer pour des festivals comme celui-ci, c'est de faire de la musique à l'image et de présenter un plateau sur mesure. Alors, ouais, on va passer le micro à Titu. Titu, j'ai entendu les balances pendant qu'on était en train de répéter ce petit talk show. C'est un son très sucré, un petit peu, hein, pour traduire ce que vient de dire David. C'est ça. En fait, on vient de tellement d'univers différents. Et c'est vrai qu'on est vraiment passionné par tout le côté soul. L'âme en fait de la musique, le côté soleil, avec différences, ouais, il y a tellement d'influences, jazz, musique électronique, afrobeat. Et c'est vrai qu'on essaye toujours de tourner ça autour du soleil, du sucre. C'est vraiment un groupe qui peut tout faire en fait. Hein. Nico, je crois que tu as encore un autre parcours, quoi, toi? Alors Nicolas, de quel, le beatmaker, non pardon, le clavier, je confonds. Il a rien compris. Ben rien, je... Moi, je suis... Non, moi je viens plutôt de la scène jazz et je fais essentiellement donc du piano et de l'orgamone dans différentes formations, en sideman ou en leader de projet. Mais là avec David, j'essaie de me mettre à l'écoute et au service de son projet qui me plaît beaucoup. Et donc là dans ce projet, je fais les claviers et je fais les basses. Donc j'ai un poste à la fois stratégique et complémentaire avec les autres. Voilà. David prend tout le monde, les retourne et en fait des choses nouvelles. C'est magnifique. Et autrement, je crois que tu es familier, toi, avec cet événement, David. Tu as déjà joué ici, non? L'événement des Mousses, j'ai joué la première année, la troisième. C'est d'abord des copains. Et puis, c'est vrai que la première année, on a essayé de tous donner un petit peu une impulsion, ce qu'on pouvait amener pour le festival. Donc, je me suis proposé spontanément pour jouer ici. La première année, c'était en solo. Et la troisième, je crois qu'on avait fait un trio. Cette année, on est tous ensemble. Voilà, c'est avant tout des potes. Et surtout, c'est un événement qui part de rien. Enfin, qui part de rien, c'est vraiment... Moi, j'adore les histoires comme ça, les événements qui se font en famille, entre potes. On a une idée, on la met en place. Aujourd'hui, ça se concrétise. Enfin, je veux dire, c'est palpable. Regardez, on est sur un site fantastique. Il y a plein de sponsors. C'est un rendez-vous. On a rendez-vous avec cet événement tous les ans, on le sait. Et alors, c'est super. Tout ça tourne autour de la glisse. Beaucoup quand même ici. C'est quoi? Vous avez un rapport avec la glisse, vous tous? Nous, on glisse beaucoup dans notre lit, quoi. On glisse beaucoup sur les peaux de banane, sur. En tant que local, on est des grands glisseurs. Alors, pour ma part, j'ai essayé le paddle ici. Le surf, je suis très mauvais.
Alors, j'adore ça, mais malheureusement, je suis très mauvais. C'est donc déjà ça, d'adorer ça. Voilà, j'adore ça, on fait un peu de skate, ben voilà, on suit, mais on n'est pas des cadors. Titou, bon. Peut-être En tout cas, si tu n'es pas tellement dans la glisse, t'es à fond dans le freestyle. Oui. On est quand même dans le thème. Mais Titou, il est très Californian style, j'ai envie de dire. Mais j'ai que le style, hein, au niveau de la glisse en tout cas. Moi, tu fais que je fasse 2 mètres, j'ai un problème d'équilibre, on va dire. Donc du coup, je me suis vraiment pas essayé à la glisse. Plus le ski quand j'étais gamin. Et ça, c'est comme le vélo, j'ai repris il y a 2 ans et c'était mortel. Mais c'est vrai que là, un truc un peu plus cool, j'aimerais bien tester le paddle en fait. Écoute, la scène, elle est devant toi. Tu as à peu près une 50aine de mètres. Hein. Nous sommes en direct live sur la Soch Freestyle Cup. Juste avant, regarde. Après, juste après le plateau, tu cours, pif, plaf, dans l'eau. On te donne le paddle. On va les paddler alors. Qu'on ramène une board pour Titou, s'il vous plaît. C'est vrai que Titou, en tout cas, bon, il n'est pas spécialement. C'est pas la glisse, forcément, la glisse sur l'eau. Par contre, il a vraiment une grande spécialité, et ça, je crois qu'on le sait tous, on peut tous le dire, le confirmer aujourd'hui. C'est que Titou, bon, bah, il nous casse toutes les chaises du studio. C'est du sport action en même temps, c'est un peu de l'extrême. C'est ça, il est dans l'extrême aussi. Il démonte toutes les chaises et les bancs du studio, donc c'est voilà. Bon, moi, il y a autre chose que je voudrais savoir. Est-ce qu'il y a une façon particulière de préparer un concert comme celui-là, parce que c'est pas très conventionnel. Le public qui est là est plus fan de sport que de musique. A priori, est-ce qu'on prépare ça différemment qu'un concert normal? Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on s'adapte, on fait des concerts à la carte. Donc de toute façon, ici, je pense que c'est aussi notre culture. Même si on dit que la glisse, c'est pas forcément notre milieu, c'est pas vrai. On a la preuve, les mousses sont non potes. On a plein de potes ici et on fréquente ce milieu sans être des professionnels. On a l'impression d'être chez nous, en tout cas là. On se dit on va jouer pour nos potes. Donc il n'y a pas tant d'efforts à faire que ça sur la préparation. On essaye de se faire plaisir et de vous faire plaisir. On est à votre service. Mais il y a un lien direct, même si vous ne faites pas tous du surf, du skate, du ce que vous voulez, motocross, etc. Le lien, il est fatal entre, on les voit, on vient de voir les skateurs, sur les vidéos, la musique, je veux dire, les action sports sans la musique, ça serait un petit peu un film sans parole. Exactement, mais de toute façon, il y a énormément, on a fait beaucoup de musique à l'image pour la glisse, on a travaillé pour la marque donc, que je ne vais pas citer parce qu'on est à l'antenne, mais on a fait des vidéos de glisse, on a fait des vidéos de surf, etc. On adore ça, c'est forcément tout ça, c'est en musique, c'est en rythme. Voilà, la vie c'est de la musique, le rythme c'est de la musique, donc on est dans le thème normalement. Et dans le groupe, t'as balancé l'information, hein. Dans le groupe il y a quand même une rideuse je crois. Il y a une rideuse de renom. On va quand même lui... Parce qu'on vous vend la mèche, Bianca qui va s'occuper tout au long de cette petite semaine, eh bien, de présenter la chronique Zik, puisque tous les soirs on recevra en troisième partie bien, les invités, aujourd'hui Kiss Colors, Bianca... On va inverser les rôles. Tu es donc aussi, tu interviens dans le groupe Kiss Colors. Et donc, quelle rideuse, snowboardeuse de talent, surfeuse et wake, j'en passe et des meilleurs. Je suis démasquée, Franck. Bah écoute, rideuse, oui, de loisir hein, uniquement, mais c'est vrai que j'adore tout ce qui glisse et essentiellement le surf, le wakeboard, le snowboard, tu viens de le dire. D'ailleurs, mon dos en a un petit peu souffert ces derniers temps, mais j'aime toujours ça autant. Et la musique, c'est une passion depuis longtemps. Voilà, là, j'ai l'occasion de faire ça avec tous ces charmants garçons. C'est un plaisir. Là, ici, en plus, sur cet événement, je peux tout associer. Que demander de plus? Allez, c'est déjà l'heure de se quitter. It's time to say goodbye. On va vous libérer parce que je crois que ça va démarrer l'apéro Zik. Je ne sais plus comment il s'appelle ça. Le petit warm-up. Le petit warm-up. On va démarrer, en tout cas, nous, vers 19h. Il y a un DJ qui va prendre la main. Et nous, on va commencer le concert tranquillement vers 20h jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà, on va remercier le groupe Kiss Colors qu'on va retrouver ce soir sur scène. Je crois que ça sera live sur ce même site internet, sochfreestylecup.fr. On se retrouve nous demain pour la suite. Même chose, même programme. Des mousses, en veux-tu, en voilà. Bianca pour la musique avec un autre groupe. Et puis on va féliciter les jeunes garçons qu'on a reçus en première partie, à savoir Joseph Garbaccio, Robin Bolio et Jean Pataleo qui seront pour la finale. It's time to say goodbye, guys. See you tomorrow. Goodbye. Bye. What?